En fait, là, c'est parce que c'était une taupinière, mais la taupinière... Taupes, cerfs ou encore sangliers sont observés ici dans la forêt des Aubénières. Sur la trace des animaux, les enfants découvrent la faune et la flore sauvage au centre d'initiation de nature. En venant ici, au centre d'initiation de nature, les enfants sont plongés complètement dans un environnement différent. Donc, ils sont plus à l'école, ils sont plus à la maison, ils sont plus en ville et ils se fondent un petit peu dans la nature. Donc, le but, c'est de leur apprendre petit à petit à s'imprégner de cette nature, à découvrir un petit peu tout ce qu'elle a à leur offrir et tous ses petits secrets. Donc ça permet de les replonger un petit peu dans cet environnement, cette nature. De quoi en mettre plein les yeux aux enfants qui s'aventurent dans la forêt et qui découvrent des animaux surprenants. J'ai porté un crapaud sur mes mains. On a fait une promenade en forêt. Et vous avez vu quoi? On a vu des pas de sanglier, de cerf. On a vu aussi un trou de taupe. Une activité ludique qui éveille les sens chez ces petits aventuriers en herbe qui finissent la journée en recyclant du papier. En première partie, on est parti à la découverte de la faune sauvage, donc des empreintes, des plumes, tout ce qui peut nous laisser penser qu'il y a des animaux dans la forêt qui sont passés par là. Donc les enfants ont réussi à trouver des empreintes de cerf, empreintes de sanglier. On est tombé sur des plumes, on a trouvé des petits animaux par-ci, par-là. Voilà, on a trouvé pas mal de petites choses. Et en deuxième partie d'après-midi, les enfants font du papier recyclé. Donc, c'est-à-dire qu'à base d'anciens papiers de bureau, ils recréent eux-mêmes leurs feuilles de papier qu'ils peuvent ramener ensuite au centre, à la maison, à l'école, etc. Un séjour nature qui s'effectue tout au long de l'année dans le gîte d'étape pour petits et grands.